Et salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Baldur's Gate. Bon. Alors, j'ai été récupéré donc Ombrecoeur. Dans cet épisode, j'avoue que je sais pas trop quoi faire. Je suis à un moment où il y a plein de trucs, il y a plein de choses, mais continuer l'aventure. L'aventure principale est aller dans le mausolée. La poursuite de la relique de Thorm, ça me semble pas encore le bon moment. Peut-être essayer d'attendre d'avoir un peu plus d'XP. Il y a une chose qu'on n'a pas fini. Ouais, il y a ça, ouais. Ah, attendez. C'est dans la crèche. Ouais, c'est dans la crèche. Il y avait une pièce où on n'avait pas été parce qu'il faisait relativement mal. Là, on a quand même évolué depuis, donc on va aller voir. Et ça se trouve, c'est peut-être à cet endroit-là que je peux récupérer l'œuf. Alors. C'était où? Là. Ici. C'était juste ici, là, je crois. Il y a une porte, et là, il y a une pièce où il y avait justement des mobs hein, qui étaient assez balèzes pour le. Pour le moment où j'y étais, ici y a rien. Ouais, on va aller voir. What path lies before me? I knew I should have attended the Blackstaff's lectures on Githyanki Tear Soup. If I understood their script, who knows what secrets their texts would surrender? Why not ask one of the friendly, bloodthirsty warriors? I'm sure they'd be happy to translate. Ouais, donc on était passé par là et ouais, c'était donc par là. Don't mind if I do. Ok, on va sauvegarder. Hop, là, protection contre le poison, bon ça je l'ai. Les autres. Ouais, donc ça, c'est ce que j'avais. Ready and willing. Faut regarder les choses qui sont valables jusqu'au prochain repos, en fait. Bon, lui, il aura rien. I'm ready. Ça, c'est pas en 10 tours, donc faut pas le faire maintenant, mais jusqu'au prochain repos. Alors, jusqu'au prochain repos, on peut faire ça, bouclier de la foi. Qu'est-ce que ça change? Ouais, il ne confère aucun bénéfice supplémentaire, donc... Elle, potentiellement, elle peut avoir ça. Apparemment, ça c'est pas. Confère à une autre créature un avantage au test de discrétion. Ouais, bon, c'est pas très utile. Ouais, ça c'est 10 tours. Non. Jusqu'au prochain repos. Fait apparaître un voile d'ombre et de silence qui vous confère à vous et à vos compagnons proches. Un bonus de plus 10 au test de discrétion. Ouais, là, on va pas être trop discret, là, donc... Image miroir pendant 10 tours. Non, bah écoutez, je pense que c'est bon. Donc j'avais sauvegardé, hein. D'accord. Non, never mind.
Juste à regarder, hein, de toute façon. Ouais, crèche 53, machin, ok. Normalement, c'est bon. Reprendre. Donc, on avait été par ici. Je sais plus comment j'avais géré ça. Je crois que je les avais attendus à l'extérieur. On a quoi? On a un archer. Au corps à corps. C'est tout ce qu'on a, hein? Mais ça a l'air d'être assez vaste quand même, dis donc. Ouais. Donc on a cette zone à terminer. Hop. Écoutez, on va essayer d'y aller en confrontation. How much farther can I go? 115 XP. D'accord. Et toi, viens ici. Est-ce que tu peux me shooter lui? Non. Lui. 65% de chance, 4, ouais, écoutez, c'est mieux que rien. Et voilà. Résistance à l'acide, ok. Ah, je l'avais pas vu lui. À moi. Est-ce que ça, ça peut aller? Oui. J'ai pas vu les dégâts par contre. Ça a l'air d'avoir fait mal. Le 21. Ah, ils font encore mal, hein. Elle a des sorts en moins. Elle avait plus de sorts que ça en soi. Ouais. Mais non. Attendez. Je les ai pas retirés ces sorts-là normalement. Mais pourquoi ils sont là ces sorts, hein? Même ce sort-là, je l'ai pas désappris normalement. Je comprends pas là, attendez. Non, j'ai pas annulé ces sorts-là normalement. Et je les avais ces sorts-là. Pourquoi j'ai plus ces sorts-là? Ou c'est quand je les ai appris Ah ouais, mais non. J'ai fait une bêtise là. Va falloir que je réapprenne tout ça. Va falloir que je réapprenne tout ça. Ouais, non, par contre, là, pas... Ok. Pourquoi j'ai pas pu jouer avec elle? On va y aller à la dague. Ok. Oh oui. Treize, ouais, ça fait mal, hein. Ouf. On va s'approcher là. Si je pouvais relancer cette attaque, ça serait bien. T'as compris, hein?
Aïe. À toi. Ouais, en fait, c'est quand j'ai changé les sorts, ça se trouve, ça m'a retiré les sorts. Il va falloir que je les remette. Ouais, il va falloir que je les remette, parce que ces sorts-là, en fait... Ouais, en fait, ces sorts-là, non, ça m'intéresse pas particulièrement. Je préfère la laisser en soigneuse, elle. Est-ce que tu peux potentiellement... 35%, ouais, non, tu peux rien faire, en fait. Ça peut-être. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ça m'a... J'ai pas compris là encore ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'il y en a un qui coupe mes sorts. Ah, dommage. Ah non, ça marche aussi sur mes alliés. Donc on va arrêter. À toi. Parfait. Il va par là. Il y a un piège. D'accord. Alors voyons voir un peu. Ok, il y en a un qui est mort. Il me reste elle qui a 64 points de vie. Aïe. Some healing for a wizard in need. Take your... Plus 16, ça c'est bon ça. Pas d'autre choix que d'avancer. J'étais pas dedans. Je l'ai frôlé. Ah bah super. Mais 15, c'est très très bien ça. Peut-être plus par là. Pourquoi tu te prends des dégâts là? Je comprends pas pourquoi il se prend des dégâts là. Il a rien. Arrive à l'avoir. Hein. Acide. Ah oui, parce qu'on est dans l'acide. Suis-je bête? Faudrait que tu te mettes ici, là. Hop, voilà. C'est de l'acide, ça. J'ai pas percuté. Alors là, franchement, je peux pas faire ça. Niveau 4 en passement de sort. Ah oui, d'accord. Oui, j'ai compris. Ouais, donc viens ici, toi. Oh, sérieux? Il reste rien. I don't fancy their chances.
Il y a quelque chose qui va toucher. Voilà. Ouh. Cool. Alors. Ouais, viens ici vite fait, toi. Hop. Venez tous là. Voilà, elle a sauté, c'est bien. C'est joli tout ça. Une belle épée, une clé, une petite armure bien sympa. Intermédiaire. Ouais. Peut-être moins bien que ce que j'ai, on verra. Ouais, je suis surchargé encore. Ah. Ah, ça fait 25 kilos ça quand même, hein. Ça. Regarde vite fait, hein. Je vais faire comme ça. Toc. Même l'épée, on va la retirer. Ça, même l'armure, on va la mettre dans le coffre. Ah, ça va mieux. Ça. J'ai tellement l'habitude de prendre tout et n'importe quoi que. Le métiste sombre, on va garder. Alors, moi, ce qui m'éclate, c'est que le poids a beaucoup de mal à descendre, mais par contre, il monte à une vitesse. Une vitesse folle. Alors attendez, du coup, je voulais voir ça. Parce que ça. Mais ces sorts-là. Protection contre la mort, il était pas mal celui-là. Le gardien de foi, il est sympa aussi. Protection contre le mal et le bien. Ça, je pourrais peut-être le retirer. Création ou destruction d'eau. Ah, ça pourrait être pas mal, ça. J'avais pas pensé à utiliser ça, tiens, pour... Pour éteindre un incendie, par exemple. Et je l'ai pas dans mes sorts, mais... Mais il y a des trucs, c'est bizarre, quand même. Hein. Si je retire celui-là, par exemple. Gardien de foi, moi, il me plaît bien, celui-là. Protection contre la mort, il est pas mal aussi. Je retirerais bien ça. Il était pas mal aussi celui-là. Bouclier de foi, je vais le garder. J'aimerais récupérer celui-là. J'avais quoi? J'avais celui-là qui était sympa aussi. J'avais celui-là qui était sympa. Ça, j'utilise quasiment pas. Ça, c'est quoi? Rayon traçant. Je pourrais peut-être me débarrasser de celui-là. Qui n'est pas dans ma... barre de raccourci, d'ailleurs, en même temps. Ouais. Je vais remettre... Ouais, il y a celui-là qui est bien restauration partielle. Non, celui-là est pas mal. Je vais remettre celui-là. Vraiment, elle a spécialisé dans le soin, elle. Hein. Protection contre la mort, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. De 4 à 7 points de vie récupérés, c'est bof, ça.
Permet de soigner les maladies, les paralysies, les cécités chez les créatures. Ça peut être pas mal aussi, ça. Ouais, je sais pas, je vais voir après, ça. Il y a plein de sorts qu'en fait, ils sont tous utiles, quoi. Ça dépend des situations. Hop, voilà, on l'a remis correct. Là, le problème, c'est qu'il faudrait que j'aille dormir. On va aller dormir. Un petit dodo. Wags his tail, a small bag clenched between his teeth. Ah, tiens. Attrapez le sac et tirez un coup sec. Vous en emparez rapidement, dressage, tendre la main. Ouais. Ça, bah, c'est bon. He gives in and surrenders his find to you. Va le caresser. Scratch's tongue lolls out happily, his tail wagging even faster. S'en aller. Can't give up now. C'est quoi qu'elle a ramassé? C'est ça? Non? Bah, je sais pas ce qu'elle a ramassé en fait. Ça j'avais déjà, mais c'est vide. Je sais pas, sac de provisions. Ah, c'est ça les os. Voilà, il y avait un petit point dessus. Ok, bon, d'accord. Peu importe. Allez, fin de journée. Ouais, donc là du coup je vais perdre mes buffs. Genre celui-là il va disparaître. Allez, c'est bon. Dodo. Ok. Quitte le camp. Bon, allez, on se rebuff. Protection contre le poison. Donc là, ça... non, mais l'acide, c'est pas du poison. Ok. Elle. Je vais juste faire ça. Alors, oui, voilà. On a deux corps à fouiller aussi, hein. Bien penser à ça. Bon, ouais, ça c'est plus... pour s'habiller. J'aime bien allumer les torches. Ok. Non, mais va pas dans l'acide. Mais pourquoi elle va dans l'acide, Nunuche? Il va falloir qu'on saute. Elle saute pas à côté, ça sert à rien. Ok. Ok.
Non. C'est ma faute. Elle est surchargée. Alors j'ai retiré au moins 15 objets. Elle en prend 3 et elle est déjà surchargée. Ouais, enfin 3, oui, non, plus que ça même. Je suis pas très honnête sur ce coup. Elle a tout ça quand même, hein. Une torche. Ça, c'est bof. Bon soin de superviseur. L'acide ne vous affecte pas et vous bénéficiez d'une résistance aux dégâts d'acide. Hein? Quand le porteur lance un sort causant des dégâts de poison, celui-ci inflige. Ouais. Mais ça, déjà, ça m'a bien allégé ça. Hop. Il y a pas mal de trucs là. L'acide, ouais, mais c'est exceptionnel en fait. Enfin, c'est sur un cas bien précis. Ok, alors. Ah, on a un éclaireur cobalt là. Il est où? Alors, ce qu'on peut faire. C'est. Hop. Faire en sorte qu'il n'y a que elle qui bouge. Inventaire. Trier par type. Voilà. Du coup, les bottes, elles sont ici. Je vais prendre ces bottes-là. Ouais, parce que immunisé contre l'entoilement, c'est pas mal ça. Je vais mettre celle-là là. Je vais mettre de la résistance à l'acide. Oui, c'est ça, oui, résistance à l'acide, ouais. Ah, mais non! Attendez. Ouais, je peux peut-être looter sans avoir besoin de. Ouais. Donc à mon avis, ce serait bien par là qu'on trouverait. C'est quoi là-bas? Un œuf. Bah voilà, on a trouvé l'œuf. On a trouvé l'œuf. Il va falloir passer. Je pense que si je passe par là. Quoi ça? Si on passe à côté, ça devrait être bon. Trap. Be cautious. Mine répulsive, ok. Si je passe par là. Voilà, on a un œuf, c'est cool. Voilà. Par là, par là, par là, par là, il y a. Ah. Il y a quelques petits loot. Oh, gods. It smells awful in here. Ouch. Ah quoi? Oh non. How delicious. Crocheté. On va prendre des dégâts, hein. Bah oui. Reviens vite par ici. Ça, ça va pas lui faire de dégâts, ça. Ouais, ça sert pas à grand chose en fait.
going. Bah. Ah oui, d'accord. Ah, on les découvre uniquement quand on tombe dessus. Ok, alors faut que je reparte par là. Toc. Et au pire. Bah quoi? On peut pas sauter de là à là? Ok. Bon bah là alors. Je comprends pas là. Une fois que j'aurai ouvert toutes les portes, on sera tranquille. Alors, donc il y a ça, il y a ça. Est-ce que peut-être que je passe là en fait? Si je longe ici. Ouais, il y en a un peu partout, hein. Maybe I need more pockets. Large green egg with an uneven shell. You can see a vague outline of something within it. Tendre la main et toucher l'œuf, le ramasser délicatement et le ranger dans votre sac à dos. Il est peut-être un peu gros quand même. Non, on va le, on a une mission donc on va le prendre. Hein. Voilà, tout simplement. On va aller voir les caisses qu'il y a là-bas. Ah bon. D'accord. Il y en a partout ces trucs-là. Je vais pas le faire longtemps. Hein. Ah ouais, mais moi j'ai pas. C'est elle qui marche comme ça, hein, parce que. Je lui ai pas demandé de marcher là, quoi. Donc il faut que je passe là. Bah oui, mais bon, il n'y a pas le choix. Oh, 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 ça m'exaspère. Sinon, je passe par là, hein. Pour ça. Allez, hop, ça va me faire gagner du temps, ça, tiens. Hop là. Eh bien. On sauvegarde. Ah.
On ressort. Alors là, on va ressortir normalement. Ah bah non, on peut peut-être aller directement. Je sais plus où elle était, cette personne, hein, ce personnage qui voulait les œufs. Voler un œuf, c'est là. On a la crèche, je crois que c'est la colline. Je crois qu'il faut aller à la colline. Semble, hein. Inventaire. L'œuvre de Jikanki. Ok. Bon, il y a de la résistance, bon, de toute façon. Moi, ouais, il n'y a rien de bien. J'ai une carte de Gideon. Ouais, bon, on verra ça plus tard. Alors. C'est ici. Ok. Donc, le chemin, il faut contourner quand même. Ah, mais j'ai pas regroupé tout le monde. Mais j'y crois pas. J'y crois pas. Je perds du temps pour des bêtises. La crèche. Allez, tout le monde se regroupe. Non, vous venez pas ? Ah. C'est bon, tout le monde est là. Ok. Eh bien, les petits. Alors, du coup, on va à la colline. Voilà. Des patates, toujours bon à prendre. Ok, ça doit être par là. Et Dame Esther, voilà. What news of our little project? Have you found the egg? Tenez le voilà, n'exagérons rien, c'est votre projet, pas le mien, j'y travaille, d'abord il va falloir négocier. Jamais je ne vous livrerai cet œuf, votre projet est tout bonnement. Fortuitous indeed, you shall be rewarded immediately. A pleasure to do business with you. 451, bien. Ok. Il n'y a rien d'intéressant par là. Bon, 145 points d'expérience, bon, c'est pas mal. Thank you so much. Do be sure to pop into the lodge should you ever visit Baldur's Gate. D'accord. Vous avez quelque chose à vendre? I should hope so. When adventure calls, I am always thoroughly prepared. Take a look. D'accord. Bon, ça c'est juste un vêtement.
Vous bénéficiez de grâce du chat, ce qui augmente votre valeur de dextérité de 2 jusqu'à un maximum de 20. Agile comme un chat, vous gagnez un bonus de plus 1 au jet de sauvegarde de dextérité, et votre distance de saut est augmentée de 1,5 mètre. Ouais, c'est juste un vêtement en fait, armure 10, c'est pas terrible quoi. Une amulette. Lorsque vous êtes à l'agonie, votre état se stabilise automatiquement au début du tour. D'accord. Maximise le nombre de points de vie récupérés. Ça, c'est pas mal, ça. Lorsque l'un de vos sorts mineurs inflige des dégâts d'acide, de froid, de feu, de foudre ou de tonnerre, vous ajoutez un modificateur d'incantation aux dégâts que vous infligez. Mais ça, c'est sur des sorts mineurs. Ça, au pire, je peux lui vendre. Ça, c'est à moi. Hop. Récupération d'inspiration de barde. Ça m'intéresse pas particulièrement. Je pourrais peut-être les revendre, celle-là. L'anneau. Cet anneau fait partie d'une paire d'alliances. Permet de recevoir un lien de protection. Il faudra le deuxième, quoi. Passage sans trace, sort d'abjuration de niveau 2. Ah ouais, bon, ça m'intéresse pas particulièrement. Je peux le revendre. 2 à 5 points de dégâts, c'est pas énorme. Hein. Je pense que je vais revendre. Par contre, 6 à 64, 8 à 64, je veux dire. 12 à 21, c'est pas mal aussi. Hop. Couleur d'encens, sort d'illusion. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Ça, on peut le vendre. Ça, on peut le vendre. Ça va nous alléger un petit peu. Ça aussi. Pour le reste, non. Ouais, cette amulette me plaît bien. Après, elle a des potions de soins. 38, ça va. Bon, j'ai pas mal d'or, donc ça va. Ça, c'est quoi, ça? C'est un bâton. De 3 à 13. Oh, il a l'air d'être mieux que ce que j'ai. Ah ouais, les lianes ronces druidiques ne peuvent pas vous prendre au piège. Je peux lancer liane. Ok, et là c'est quoi? Châtiment. Tonnant. Sort d'évocation. Il est pas mal ce bâton. Repousse votre cible de 3 mètres et a une chance de la faire tomber à terre. Fait 3 à 20 dégâts. Ah, il me plaît bien ce bâton. Là, je le prendrais bien. Hein. Ouais. J'ai, hop, c'est décidé. Hop, je me l'équipe. Et celui-ci était pas mal, mais bon. On fera attention. Là, celui-là qui est quand même pas mal. Bon, bah. Je vais peut-être le garder au cas où, celui-là. Ouais. Ça, c'est quoi? Ça, je pourrais peut-être le revendre. Ok. Et il y a cette amulette qui me plaît bien. Peut-être pas pour ce personnage-là, parce que j'aime bien l'amulette qu'elle a. Mais genre pour lui.
Ça, je peux le revendre. Il a quoi, la communication avec les morts? Ah, ça, on va peut-être le garder, tiens. Toi, qui est quand même relativement puissant. Ah, on pourrait peut-être retirer ça. Acheter ça. Il est où? Ah, il est là. Hop, et revendre celui-là. Ouais. Ça, ça dépend des combattants, donc je vais attendre. Ça, je peux revendre. Ça, je vais garder. Surtout pour la fin. Un os. Peut-être acheter ça. La potion, elle est pas mal. Hop. Et de 4 à 10, c'est mieux que rien. Mais j'en ai pas mal déjà. Ouais, on va pas acheter ça. On va garder ça. Ok. Now, I believe you have places to be. Ok. Bon. Écoutez. On a un vendeur ici, tout du moins. C'est intéressant. On repart. Donc. Qu'est-ce qu'il y a qu'on pourrait faire maintenant? Alors, attendez, déjà. Inventaire, mes sorts. J'ai donc récupéré normalement ce sort-là, qui est pas mal. Hop. J'ai toujours celui-là. Bah oui, bon bah écoutez. Hein. Hop, et lui, du coup, il a récupéré un sort aussi. Ah non. Non. Bon. Bref. Alors, où je vais maintenant? Parce que là, je ratisse un petit peu les zones, mais ouais, puis alors l'XP va pas monter très vite. J'ai vraiment pas envie d'aller sur la suite de l'aventure, parce que ça me semble assez... Je pense que ça va être coriace. Donc on peut aller à la tour de Haute Lune. Oui. Normalement, à la tour de Haute Lune, on aurait quelqu'un à trouver. Si je vais voir les quêtes... je me rappelle plus, mais il me semble. Mais il y a toute la zone encore. On n'a pas exploré toute la zone encore. Donc il y a ça aussi à faire. Sauver le Grand-Duc, je crois. La tour de Haute Lune. Non, les tours de Haute Lune sont un lieu très apprécié des fidèles de l'absolu, peut-être. Est-ce là qu'ils ont emmené le Grand-Duc? On peut chercher. Hein. Là, qu'est-ce que j'ai là? Où est la relique de Kéteri? Oui, bon, ça c'est normal, mais il faut aller, faut passer un portail. Donc, comme j'ai dit au début, ou tout à l'heure, ou là, je sais plus, ça me semble vraiment compliqué. Par contre, par là, il y a une zone qu'on n'a pas explorée. Ici. Ici, on dirait qu'il y a quelque chose là.
Ouais, donc il y a des zones qu'on n'a pas explorées là par là. Je sais plus où, là, je crois que c'est par ici, c'est compliqué. Ouais, donc on n'a pas tout exploré encore. On va aller faire un tour, mais je pense qu'on va arrêter dans pas longtemps. With haste. On va aller voir l'histoire du Grand-Duc, on ne se voit pas trop, quoi, en fait. Wim, le bagarreur. Seems like a good moment to talk. I caught a glimpse of Ketherick and Zorel. Wouldn't have the gumption to stick my nose in like you did, mind. D'accord. Rien de bien. Heard a rumor some do-gooder stopped a horde of absolutists from getting their hands on a load of druids in some grove. Whoever it was, better pray the general doesn't smoke them out. Be a bloodbath, so it would. D'accord. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on peut y aller? Ouais, on peut y aller. On va explorer un petit peu, hein. Barnabus. Non, tu veux pas me parler, toi? Et toi, Lincella? A moment, true soul. You use a spoon to stir the soup, Barnabus. Forget the axe, my darling. Now, how can I help you? J'en ai encore jamais vu un gnoll apprivoisé. Barnabus, ouais. I've shown Barnabus a kinder way. A kinder name is only fitting. That is the gift the Absolute gave me when I stood before her. To rewrite the lives of her faithful. Make them believe there's something better. Les gnolls sont de véritables bêtes sauvages. Je croyais que l'Absolu nous acceptait tous tels que nous sommes. Vous êtes vraiment tenus devant l'Absolu. Voilà qui fait chaud au cœur. Loué soit l'Absolu. Ouais. She gathers many threads for her design. But it is still her design. And Barnabus has found his place in it. Observe. Barnabus, sweetie, come show what a good boy you are. What would you like him to do? Une petite danse, par exemple, bah tiens. Oui. Oh, you'd like that, wouldn't you, Barnabus? You feel her will surge outwards and envelop the creature, inexorable as the tide. No, Barnabus! We talked about this. Trancher son lien de contrôle sur le Null une bonne fois pour toutes. Renforcer l'influence de la cuisinière. Apparemment, vous ne le contrôlez pas aussi bien que vous pensez. On peut renforcer son influence, ça va peut-être éviter... Ah. The weight of the assault drives the Null to his knees, defiance melting away like snow in summer. For all the power she lends us, I am still only an imperfect vessel. Here, I meant this as a treat for Barnabus, but he doesn't deserve it now. You'll do well when you meet the Absolute, I think.
Comment puis-je rencontrer l'absolu? À vous entendre, cette audience serait dangereuse. Ok. Please, Sorel. And you will be called to ascend to the tower top. Many have gone before you. Though not all have returned. Mm-hmm. 60 XP, ok. Objet reçu, un bras coupé. Ah bah c'est cool ça, c'est gentil, tiens, merci. J'ai toujours rêvé. Bon, par contre, on peut rien piocher là-dedans. Ouais, on peut rien prendre. Par là, qu'est-ce qu'on a? Ok, c'est les murailles. Et de l'autre côté... Bon, de toute façon, on va arrêter ici. On a quand même bien avancé. Encore les murailles, ok. Bon. On va aller plus par là. On va revenir par ici. Il y a une porte là. D'accord. On peut parler à Araj. The reaction failed. Araj Oblodra, trader in blood and the sanguineous arts. It is a pleasure to stand before a true soul and your pale companion. I'd like to offer my services if you're willing. Écoute, en quoi consiste la profession des marchands de sang? Quoi? Mon compagnon n'entend pas, vous intéresse-t-il pour l'instant? Je veux juste voir ce que vous avez en stock. But plainly, I'd like your blood. A vial of true soul's blood, specifically. With one drop, I can brew a rather potent potion for you. The rest, I keep for myself. De quel genre de potion s'agit-il au juste? Et que faites-vous exactement avec le sang de vos donateurs? Intéressant, hein? No idea. But it will be unique to you. Your blood essence and the Absolute's blessing intertwined. We can learn exactly what that means together, Research, naturally. A little experimentation, perhaps. I have an innate curiosity for all things sanguine. Bon, bah d'accord. Just a little prick and it's all over. Close your eyes. There we are. All of your very best traits in a bottle. Use it well. Although perhaps there's one more thing we could discuss. Your friend. He's a vampire, no? Or one of their spawn, at least. Oh, don't worry. We're all friends under the Absolute. I won't bite. Oh, I'd prefer if you did. I assume he belongs to you? Vous plaisantez, il a son propre maître. Il est son propre maître. Non, nous voyageons ensemble, mais ça s'arrête là. Il fait tout ce que je lui dis, hein. Ouais, il est son propre maître. I'm sure he really believes that. How utterly adorable. Do you have a name, Spawn? Astarion, but hold on. Good. Now, Astarion. I've dreamt of being bitten by a vampire since I was a young girl. I'm sorry, you want to be bitten? To feel your life's blood slipping away. To dance on the edge between life and death. Yes, I want it. I'll even compensate you. A potion of legendary power that forever increases the strength of the one who consumes it. It's not for sale, but it's yours if you bite me. I will have to decline.
Excuse me? This is a once-in-a-lifetime opportunity, and you're squandering it. I gave you my answer. Oh, can't you talk some sense into your obstinate charge? Bon, sinon, il n'y a pas matière à discuter. Je m'étonne que vous ne sautiez pas sur l'occasion, Astarion. Mordez-la. Qu'on en finisse, nous avons besoin de cette potion. Ah oui, surtout qu'il essayait de me mordre une fois. I'm sorry, but could you excuse us a moment? Are you actually asking me to do this? Treating me for some potion? Because there's something wrong with her blood. I can smell it from here. It's rank. Que voulez-vous dire? Quel est le problème exactement? Une potion si puissante pourrait bien changer le cours de notre destin. Il me semble que ça vaut la peine de vous forcer un peu à vous devoir. La décision vous appartient. Cessez de jouer la comédie. Ouais, bah... Pff. Je sais pas. I can't say. It just smells wrong. Unnatural. Drinking it wouldn't kill me, but it would not be pleasant. I don't have all day, true soul. Libre à vous. Je ne vous oblige à rien, à vous de boire, mais cette potion nous serait bien utile. Prenez sur vous et m'en dites. Fine. I'll do it. Darling, I've had a sudden change of heart. After all, who could resist such a delectable neck? Hold very, very still. Incredible. Incredible. Oh, hells. Oh. Not to your taste. You're fetid, full of corruption. I feel exquisite, though. So here's my part of the bargain. I hope you find it as satisfying as I found this. It was everything I imagined, and then more. I'll be able to put this to good use. Cire de guérison de demi-elfe. Potion de vigueur éternelle. Ils sont où ? Mince. Une de combustion. Bah, ils sont passés où les potions? No one stopped me yet. Bah, je sais pas. Bon, tant pis, je regarderai de mon côté. Bah écoutez, je vais arrêter l'épisode ici, on a bien avancé, on a trouvé l'œuf, on a réussi à terminer une nouvelle quête, donc c'est plutôt pas mal. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager. Et moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, portez-vous bien, bye bye.